Lola vit seule au-dessus du bureau de poste où elle travaille. Elle se dit heureuse avec son jardin. Dans son portefeuille, on ne trouve que des photos de ses fleurs et dans sa chambre, il y a une armoire pleine de cœurs en tissu. Lola se demande si notre vie est écrite par les personnes qui nous ont précédés.